Et salut à tous, c'est Olfito et bienvenue dans le grand foutoir. J'espère que vous allez bien. Alors la dernière fois on s'était quitté, on a eu pas mal de pertes donc au niveau de nos petits Pokémon. Donc vous pouvez le voir sur l'écran, on a eu Entei, Kaorin, Lombre et Magneton. Ce qui fait un petit peu mal parce que Entei et Magneton étaient quand même devenus des Pokémon phares de notre équipe. En revanche, vous pouvez le voir également à l'écran, il y a notre petit Spoink qui a évolué en Ectoplasma et le Togepi qui a évolué en Lokhlass. Donc Lokhlass qui est rigide, donc c'est vraiment pas top. Morsure, sabotage, explosion, voile miroir. Donc voilà, il pue du cul, vraiment pue du cul. Et du coup, Ectoplasma qui a Dracossouffle, plongée, spore et toxique. Donc vous pouvez bien voir que c'est Spoink qui a évolué, il a Spore. Donc ça c'est plutôt pas mal, sachant que Dracossouffle est une attaque spéciale en 3G, ainsi que plongée. Donc ce qui est plutôt pas trop mal avec une attaque spéciale quand même de 165. Et il avait l'objet Roche Royale. Donc ça je l'avais pas vu. Donc voilà. On les a montés, enfin je les ai montés niveau 48 un petit peu pour devenir un petit peu meilleur. Et du coup, ben, on va pouvoir continuer notre aventure. On a été resté ici. Alors je crois pas que je puisse capturer Pokémon, peut-être sur l'autre chenal. Voilà, peut-être qu'ici on peut. Alors faut savoir que j'ai plus de Pokémon dans les boîtes. Hein. Dans les boîtes, j'ai plus de Pokémon. Donc là aujourd'hui, je pense qu'on va pousser un petit peu plus le live. On va pas faire comme la dernière fois 1 heure. Je pense qu'on va accélérer un petit peu. Enfin, accélérer. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors, j'aimerais savoir si je peux capturer un petit poké. Allez, Furisson, donc ils sont au niveau 43, nous on est au niveau 48. Et donc là, normalement, où est-ce qu'on est censé se diriger? Là, il va y avoir une grosse phase normalement de combat dans l'eau. En vrai, je sais même pas si c'est là qu'il faut aller. On flex bien cancer. On va mettre Robin. Alors là, il y a un petit combat duo. Bonjour messieurs! Et j'ai toujours pas eu un seul Pokémon. Un seul Pokémon, comment on appelle ça? De zone. On va faire pouvoir un petit peu plus surf. Ça devrait tuer les deux, je pense. Non, ça ne tue pas le Galeking. Qui fait dépit, donc c'est pas terrible. On peut faire onde boréale et refaire un surf. J'aurais peut-être dû viser le voilà le fouinette. Donc le B qui part avec surf qui est plutôt intéressant. T'es dur ça. Bon, on va le capturer pour le fun, hein, mais comment dire que ça pue la merde? On va l'appeler. Déoxys, niveau 41. Alors là, ça rigole un peu moins.
Parce que il fait très mal en fait. Ce Pokémon fait. D'accord. Alors, vous voyez, il est plus rapide. Il a une vitesse phénoménale ce truc, mais bon, il a Trempette, donc ça fait un petit peu moins peur quand même. Et Flagados, on va rester avec Florizarre. Et on va taper des balles graines. Alors, où est-ce qu'on va là? Ah oui, c'est pour. Je crois que c'est pour Régis. Regice. Un petit truc là? Non? Ok, donc on peut continuer. Wow. Niveau 54, ça rigole un peu moins. Merde. On ramène Merguez. Parce que là, on va direction Poivre-sel. Si on peut faire surf, si, c'est peut-être là où il faut aller. Parce qu'après on arrive à Lavandia. Alors je regarde juste s'il n'y a pas des petits objets, des fois, on sait jamais. Comme là par exemple, ça me paraît bizarre ce petit hameau, voilà. Oh, j'ai complètement zappé ça! Il faudrait que j'aille voir. Oh! Ah ouais! Le mec des écailleurs. Alors, je sais pas si. Lavandia. Si, on pourrait y aller à partir de Lavandia. Oh, il faut trop que j'y pense. On va peut-être pouvoir leur trouver de meilleures attaques. Sport qui est abusé. Ectoplasma qui est vraiment cool pour la capture du coup. Oh. On va accélérer un petit peu les combats aquatiques. Que c'est un peu chiant. Donc là on arrive à Myokara. Oh là là, niveau 53. Un petit coup de sang de Pokémon, ça fait pas de mal. Et là, du coup, on est sur un autre chenal, donc je crois qu'on peut encore capturer un petit Poké. Est-ce qu'on peut endormir les Pokémon plantes? Oui, on peut. Totalement. What the fuck? La technique vraiment sport. En plus, Ectoplasma est super rapide. Ce qui fait que. Sport qui ne peut pas échouer. Ah, le Zarbi qui n'a que sécrétion. Ah, parce que c'est pas très intéressant les combats aquatiques, ça m'a jamais marqué, vraiment. Intimidation qui ne sert à rien du tout. On va plonger. Oh, est-ce que ça marche du coup, séisme? Ah, mais on a lévitation en plus! Oh! Oh là là! Ça, c'est magnifique. Et il prend le type eau, ce qui fait qu'on va pouvoir. Ah, ben, même pas. Même pas besoin. Ouais, petit surf. Arco. Donc aujourd'hui, on va essayer de pousser un petit peu plus. Hein. Allez, encore un combat double. Magikarp. Allez, surf plus balle graine. Ouh, vitesse extrême. Ils ont pas fermeté les Grolems dans cette version?
Alors là, au cas où on peut pas on peut pas s'enfuir, je préfère switcher. Ouh, Florizarre. Voilà, donc là au moins on prend du pex, hein, parce que sinon. Surf! Alors, il y a un petit bateau. Je m'en rappelais plus de cette épave. C'est quelque chose là-dedans. Il y a des petits combats aussi, mais c'est pas grave. On y va, on y va. En plus, ils sont pas trop forts, donc c'est parfait. Oh, j'aurais pu faire surf avec séisme. Putain, je suis con. Oh là là, il a réussi à geler le Florizarre, quoi. Mais chose qui est bien, c'est qu'on a acheté 3. 3 de chaque. Et on n'a pas d'antigel, putain, merde. Oh là là. On n'a pas total soin. Oh! On aurait pu ne pas perdre le magnéton. Je suis dégoûté. Ah putain, please. Bonjour. Lettre port. C'est de la merde. Pourquoi y a des chaises là? C'est un dresseur lui? Non, c'est pas un dresseur. Bonjour. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens là dans l'épave? Ils vont crever. Ammonita. On aurait pu faire pied sauté d'ailleurs. Oh là là, magnifique. La porte est fermée. Il faudra que je rachète aussi des super potions que je n'ai quasiment plus. D'habitude, il y a toujours un petit quelque chose aussi dans les poubelles. Là, il n'y a rien du tout. Corde sortie. Scuba Ball. Bon, il n'y a que des trucs de merde. Il y a legit que de la merde. Allez, petit surf. Colossinge Estari. Bon, on va surf et on va Balgren. Oh merde, c'est vrai qu'on est gelé. On peut totalement faire en boréal. Tout ça pour gagner un rappel qui, bien sûr, est inutile. Alors, il y a un autre combat double, sauf que là, on va pas faire le con. On va mettre Voda et Merguez. Bonjour, Kirelia et Ptera. Alors, on peut total. Bon, on va sport, hein, en vrai. Et on va façade le Kirelia. Du coup, on peut plonger et onde boréale. Boum! Voilà, mais ectoplasma quoi. Oh. Ectoplasma beaucoup trop fort, mais vraiment beaucoup trop fort en fait. En revanche, s'il se prend une attaque, on est mort. Ouais. Scanner. Alors on a eu une clé de stockage, donc on peut aller ouvrir cette porte. Qui va nous donner... Laser glace.
Alors ça, c'est plutôt cool. Laser glace. Oh, ectoplasma, on peut la prendre? Ah non, putain, il peut pas la prendre. Oh là là, il n'y a que G en fait. Bon, ça fera toujours mieux que... Ah oh, oui, ça fera largement mieux que Poudroise. Oh là là. G qui devient de plus en plus fort lui aussi. Donc voilà, on a tout fait ici. Ah, les combats aquatiques, ça fait tellement chier, putain. Sport. Allez, Draco souffle et Draco souffle. Draco souffle et Draco souffle. Ça se voit trop quand il y a des, quand il y a des trucs. Enfin, je sais pas si, si vous êtes comme moi que vous le voyez, mais. J'adore les Pokémon de typo. Il dit ça, il n'en aura pas. Top dresseur Caroline et marin Lambert. Ils ont 6 Pokémon à eux deux. Et ça envoie au calme Mew. On va sport le. On va sport le Mew. Et on va corps perdu le Kabutops. Comme ça, on peut s'occuper. Du Kabutops. Voilà, comme ça, on peut s'occuper totalement des autres en fait. On focus le dresseur. Comme ça, après, c'est du 2 contre 1, quoi. Là, on peut viser le Mew. Alors, la plongée devrait tuer le Fenard. Oh là là, relou. Et ça ne l'a pas tué. Donc on va Draco Souffle plus pouvoir antique pour voir si on peut augmenter nos stats. Et du coup maintenant c'est du 2 contre 1. Allez, ciao. Morceau étoile. Il faudra que je vende aussi. Voilà, on a des paralysés, on a des gelés. J'espère qu'on est bientôt arrivé là. Il y en a partout quoi. Allez. Ah, par contre, la façade qui va faire un petit peu plus mal si on arrive à la passer, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a comme objet nul? Super Ball. Ah, il doit avoir le talent ramassage, peut-être. Ouais, il a ramassage. Ah, sympa ça. Oh là là, mais faites-moi sortir d'ici là. Chenal 109. Donc, logiquement, on peut recapturer un petit Pokémon. Alors, on va faire pied sauter sur le Porygon et on va sport l'aéromite. Danger, danger, danger. Danger, danger. Putain, alors c'est vrai que les attaques électriques sont x4 sur sur notre petit G donc faut faire vachement attention à ça, quoi. Waouh, on n'est pas passé loin de la catastrophe. En vrai, il me faudrait tellement pouvoir les soigner là. J'ai plus rien. Est-ce que si je fais une corde sortie? Non, ça marche pas. Conseil de papa. J'ai un anti-par. Ouais, mais ça sert à rien parce que. Ah, ça sert à rien, il faut que j'aille les soigner là. J'ai pas le choix. Hein. Alors, ça, c'est cool quand même avec le jeu qu'on puisse accélérer.
Oh là là, tout ce trajet qu'on a fait en plus. Mais normalement, on n'est pas trop loin de Poivre-Sel. Ah, j'étais obligé de les soigner là. Alors, je vais en profiter pour aller chercher. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas de boutique ici. Oh là là, putain. Voilà, comme ça, on arrive très vite là où est-ce qu'on était. Alors, tout le monde au niveau 50, sauf Robinou. Donc, on va mettre J. Comme ça, on pourra faire le combo surf et séisme. Papillusion et Liputi. Ouais, mais finalement. Petit laser glace. Et du coup, il reste que le pauvre Skullenox qui va se prendre une double attaque. Allez, donc ici c'est bon. Une petite Pokéball. PP plus. Ah, bah j'en ai des PP plus. Alors le problème c'est que je les avais donnés à. à Entei. Ce qui fait que c'est pas cool. Bonjour. Ouais, normalement on devrait bientôt arriver. Fenard. Et Balbuto. On est obligé à deux pecs comme ça parce que sinon. Je crois que là on n'est même pas. Alors, un petit toxique ça aurait été cool là. On n'est même pas. Au niveau de. Du oh putain, déflagration. Du meilleur Pokémon du dernier champion, quoi. Ah, qu'est-ce qu'il a ramassé? Super potion. Ah, bah merci. Ça te dirait pas de ramasser, je sais pas, des CT ou des trucs comme ça? Floravol, il va se prendre un petit laser glace des familles, x4. Dommage qu'on n'ait pas une attaque vol. Je sais plus comment on trouve vol d'ailleurs. Et là du coup on arrive à. Voilà, on arrive à Poivre-Sel, donc on va pouvoir repartir sur du jeu normal. Alors, ce que j'ai presque envie de faire, c'est d'accélérer à fond pour aller voir le mec. Putain, il n'y a toujours pas d'hyper potion quoi. Le mec pour les écailles cœur. J'ai envie de voir ce que Ectoplasma peut apprendre. Imaginez Ectoplasma avec Balombre. Et je crois que Balombre, malheureusement, c'est de type. C'est type physique dans ce jeu. Ah, on a le maître des capacités aussi. Vu qu'on a battu un autre champion. Normalement. Waouh, alors là j'ai pas du tout vu où est-ce qu'il était. Il était là ce bâtard. Alors là il faut utiliser force. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir l'apprendre à Tedursa. Bonjour, mademoiselle. Tropius. On est plutôt bien avec Laser Glace. Hein. Bon, ça je l'ai. Bon, je le prends, mais c'est des lettres à chaque fois, donc c'est chiant. Ouais, le sac est plein en plus. Donc, va te faire un. Roselia. Alors là, le J, il se fait plaisir, mais quelque chose de magnifique. Hein. Oh putain!
Dernier petit dresseur. Ça va, ils sont que niveau 44. Merde, je viens de me niquer comme un gros con. Normalement, si on fait ça, ça repop, non? Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne, lui, ce coup-ci? Dommage, le sac est plein. Putain, mais reste là, gros. Bon, qu'est-ce qu'on va virer? Là, on peut virer quand même plein de trucs. Allez, toutes ces lettres de merde, là, déjà, on vire. Pépite, anti-brûle. Bon, ça, c'est de la merde. Lunettes noires. Les attaques ténèbres dans ce jeu, elles sont pas très cool. Ça, on n'en a pas besoin. Pierre Stas, on n'en a pas besoin. Corps sortie, on va quand même les garder, on sait jamais. Précision plus et spécial plus. Voilà. Où est-ce qu'il est, lui, là? Il se fout de ma gueule? Tout ça pour une putain de boule fumée? Alors, en vrai, ça peut être pas mal. Si on n'arrive pas à fuir, ça peut être pas mal. Ok. Du coup. On sait pas, il y a peut-être des objets à prendre. Voilà. Super bonbon, putain, mais. Alors, je les garde pour la fin, les super bonbons, hein, pour vraiment. Wow! Putain, Records à Shiny, quoi. Tellement beau. Ok, donc là, il n'y a rien. Voilà, donc là, il n'y a rien. Ok. On accélère un peu parce que bon, tout ça on l'a vu déjà. Alors, donc là, la suite logique des choses, c'est d'aller à droite et de faire surf. Ah, il y a Voltaire. Mais moi j'ai envie d'abord d'aller voir pour les écailleurs en fait. Bon, on va d'abord faire lui là. J'ai pris une décision, j'ai une faveur à te demander. Lavandia comprend une partie souterraine appelée New Lavandia. J'aimerais que tu t'y rendes et que tu éteignes le générateur. Ok. Un peu de surf au bout de la route 110. La route 110, c'était ça là, non? Ouais, c'est ça. Alors, un peu de surf. Donc, il faut surfer. Waouh, très perspicace, Solfito. Et bien, du coup, on va pouvoir capturer un nouveau Pokémon, non? Et nul d'eux qui ne ramasse pas d'objets. Wow. Attention, Pokémon de zone. Flagados. Alors ça peut être très intéressant dans le sens où il est très bulky ce truc. On devrait pas tuer avec Dracos. Ou par contre, on two shot. On va tenter. Hein. Scoobabol. Oh là là. Il a fait mégaphone. Et on capture notre petit Flagados. Ça peut être cool. Bien entraîné, il peut être très intéressant pour le Nuzlocke. Flagados.
va l'appeler Moulaga. Me demandez pas pourquoi. Moulaga. Alors. Bon, ça va, c'était soit Flagado, soit Mucio, là. À un moment donné. Corde sortie. Bon, par contre, les Pokémon, vous me faites un peu chier, là. Cassez-vous! Pierre foudre. What? Putain, c'était de là que je venais. Oh. J'ai même pas capté. Mais barrez-vous! Please! Laissez-moi en paix! Oh là là. Mais quel cassas! Putain, Ninja, ce qui est stylé en shiny. Est-ce qu'il faut que j'appuie ou pas alors? Putain, je me rappelle plus. Non, il faut pas que j'appuie. Mais. Oh putain, j'ai pas de super repousse ou un truc comme ça là. Oh putain. Attendez, mais je comprends pas où est-ce qu'il faut que j'aille là. Ah, d'accord. Putain, mais. Laissez-moi! Oh là là! Alors, est-ce qu'il faut que j'appuie? Ah, on dirait pas. On va les éclater. Ça me fera de l'XP. Là, on est obligé d'appuyer. Total swing. Alors, ça peut être cool par contre. Ah, c'est ça le générateur. Il y a une petite Pokéball. Fatal Foudre. Dommage que ce soit pas tonnerre. Et là, on va pas se faire chier. Voilà pourquoi j'ai bien fait de garder les cordes sorties. Ça évitera de se faire chier avec tous ces putains de Pokémon. Hein. Laissez-moi partir! Fatal Foudre. Ouais, Fatal Foudre. C'est comme déflagration, hein. C'est 85 de précision. Ah, 85? Ah non, ouais, 70. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Il peut pas prendre déflagration, d'accord. Ah, ben voilà, impeccable. Ça, c'est 10 fois mieux. Non, mais Ectoplasma, il va devenir surpuissant, quoi. Ectoplasma surpuissant. Non, on est d'accord qu'il vaut mieux sport sur lui. En revanche, peut-être un petit toxique sur Florizarre, ça pourrait être pas mal. Ouais, Balgren, c'est. J'en ai besoin quand même. Enfin, en même temps, ça a 10 de pouvoir, quoi, Balgren. Je crois qu'on va mettre toxique. Parce qu'en. Enfin, ça a que 10, quoi, donc. Même si on tombe contre un Marest ou quelque chose comme ça, ce sera presque mieux de faire toxique. Ok. Bon, là, ce que je vais faire, je vais accélérer, en fait, pour. Ah, je vais prendre des super repousses. Putain, il n'y a pas de super repousses. Ils se foutent de ma gueule.
Mais ce jeu se fout de ma gueule. Oh, et on a plus éclat troc. On peut la prendre à... On peut la prendre à notre petite et dur ça. Ah, eh ben. Bon, en gros, il servira qu'à ça, lui, je pense. Alors là, on peut surfer. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. PV+. Bon, c'est de la merde. D'accord. Voilà, tous les endroits où on peut surfer ou où on pouvait pas avant, il faut y aller parce qu'il y a des petits objets quoi. Alors, je crois que c'est plus intéressant de passer par là. Peut-être pas finalement. Si, quand même, je pense que c'est plus intéressant. Où est-ce qu'on est? On y est. On prend un petit peu de pex au passage. Putain, mais laissez-moi passer! Voilà. Alors, je voulais juste voir si on pouvait apprendre quelque chose d'intéressant. À notre ami Merguez. Oh là là. Ouais, c'est pas la peine. On va re-regarder quand même les autres. Bon, je trouve que 20 pigraines, ça pourrait être pas mal quand même. Autant apprendre tranche chèvre. Et lui, il a cruel. Alors, je pense que c'est ce qu'on va faire. Ah, passe de pied sauté. Ça a 62 pouvoirs. Ouais, on va enlever pied sauté. Comme ça lui fait une petite. Voilà, ben nickel. Bon, c'est pas des attaques monstrueuses, mais au moins c'est. C'est stabé quoi. Alors stabé ça veut dire que c'est le de même type que le type du Pokémon. Ce qui procure un petit bonus de 1,3 ou 1,5. Allez, du coup, on peut repartir. Là où on était. C'est bien, on croise zéro Pokémon. Merde, j'ai trop loin, putain. Oh là là, my god. Allez, on peut repartir et du coup continuer notre petite aventure, tranquillou. Alors j'ai vu qu'il avait ramassé un truc lui. Corde sortie, mais tu te fous de ma gueule. Voilà, donc là on peut aller là. Wow, est-ce que c'est un Pokémon de zone? Heureusement que Voda le tank. Super bien. Alors là, le problème, c'est que Ectoplasma, on peut pas venir gratuitement dessus, quoi. Pouah. Je sais même pas si on peut le capturer, en fait. Alors, Aéroblast, de mémoire, il peut en avoir que 5. Bon, déjà, on va voir si on peut le capturer. On peut le capturer. Oh, putain.
Donc là, en fait, ce qu'on va faire, on va spammer les super potions. Parce qu'il peut nous crit, hein. Oh putain, regard mort. Oh non. Please, tout sauf ça. Voilà, coup critique. Alors, on pourra pas faire mieux. On pourra pas faire mieux, mais le problème, c'est que c'est un putain de légendaire. Et que. Et qu'on pourra pas le capturer, je pense. Hein. Ça serait magnifique! Alors, on a la Chrono Ball qui peut être pas mal. Hein. Non, mais en vrai, ça bou la Pokéball ne bouge même pas. On ne pourra pas le capturer. Tant pis, on va dépenser toutes nos balles. On dirait qu'il a plus d'aéroblast. Allez, ça serait magnifique! Putain. Non, c'est impossible. C'est impossible. On n'est pas à l'abri d'un critique. La Pokéball ne bouge même pas en fait. Notre seule chance c'est la Chrono Ball. Non. Eh bien tant pis. Non, les légendaires sont beaucoup trop difficiles à capturer. Beaucoup trop dur. Mais là c'est dommage parce qu'on aurait pu faire sport avec Ectoplasma. Mais le problème c'est qu'il a fait regard noir et du coup Bekipan ne pouvait pas s'échapper. Allez hop. Parce que dès qu'on avait fini les aéroblasts, ben, on pouvait venir largement avec Ectoplasma quoi. Mais voilà, le problème c'est qu'on pouvait pas switcher. Ce qui faisait bien chier. Antidote. Oh, je m'en fous de la super canne. Alors, Métamorphe et Débugant. Alors là, c'est deux Pokémon merdiques, donc ça va pas être trop dur. Hein. Est-ce qu'on tue les deux? Oh, on tue les deux. Alors là, c'est pareil, peut-être qu'il y a quelque chose. Voilà, du fer. Bon, je pourrais mettre Tedursa dans notre team là, mais il sera absolument pas utilisé donc. Bon, voilà comment dire que contre OOOO, on est un peu pas du tout bien avantagé en fait. Waouh, Darvenin. Contre, il nous a empoisonné ce bâtard. Alors, on est plus rapide, on peut se permettre. Et là, vous allez voir la force de Trancherb. Oh là là, Trancherb sur Florizarre, ça c'est cool par contre. Parce que là où. Parce que même si on touche 5 fois en fait, avec Balgren, eh bien du coup, Trancherb sera plus efficace. Oh, Pierrot! Nous sommes rencontrés près du village mieux car as-tu vu beaucoup de sortes de Pokémon depuis la dernière fois? Dans ce vaste monde, il existe tellement de Pokémon différents. Élèves-tu différents types de Pokémon? Ou te concentres-tu sur un type précis? Qu'en penses-tu en tant que dresseur? Désolé, ça me regarde pas vraiment, pas vrai. Bon, en tout cas, j'espère qu'on se reverra. Ciao, Pierrot! À bientôt! Alors, on a même plus coupe. Enfin, oh là là.
Alors même si c'est un truc de zone, je veux même pas une Togepi. Ornithologue Pedro qui envoie Monaflumi. Alors Monaflumi, il fait toujours un petit peu peur. Hein. Malgré son talent où il attaque une fois sur deux, voilà, canicule. Qui fait de bons dégâts, hein. C'est censé être un Pokémon physique. Hein. Alors, normalement, on tue avec le deuxième. Alors, nouvelle zone. Donc là, par contre, s'il y a un petit poké, on va essayer de le capturer. Alors là, c'est pareil, c'est bizarre qu'il n'y ait rien. Bah non, il n'y a rien du tout. Ok, très bien. On va rester comme ça. Obali et Alligator. Donc là voilà, tranche herbe typiquement. Alors je sais pas si ça fait le chaos sur les deux, mais les deux vont prendre très cher. Obali ça doit tuer, je pense. Putain ça tue pas. Ouais ça tue pas du tout la ligature. Allez, mais le deuxième. Oh là là, il utilise une hyper potion, ce salaud. Voilà. Donc voilà, on a réussi à retrouver un petit peu une équipe compétitive. Heureusement que ce point qui a évolué en ectoplasma. Allez, on va faire tranche herbe, ça va pas le tuer parce qu'Aquali a une grosse base PV. Et Nidorina, on peut totalement séisme. On va juste soigner un petit peu ce petit Florizarre. Ah bon, on peut utiliser le. Où est-ce qu'il est? Voilà ça. Ça nous enlève une place dans le. Hyperbole. Ouais. C'est la seule qu'on ait pour le moment. C'est la seule hyperbole du jeu. Putain, si on avait capturé Latios. Ouh, joli. Joli, mais il est tombé sur plus fort que lui. Bon, s'il fait saisie en plus. Si tu nous facilites la tâche, c'est sûr que. Mais bon, tant mieux, on va pas se plaindre. On est quand même au niveau déjà 51. Hein. Alors que de mémoire, 51. Ouais, dans 10 niveaux, t'es censé être à la ligue. À peu près, je crois. Ah là, par contre, on fait rien à l'Eldel. On peut mettre Voda. Oh. Hyper potion, c'est pareil, c'est la seule du jeu. Tout le monde est au niveau 51 là, ouais. D'accord. Ah là il pleut donc ça serait bien pour Jay avec son surf qui serait renforcé du coup. C'est dommage qu'on n'ait pas aussi mais non pas chlorophylle. Qu'on ait glissade. Voilà, il met des buffs avec les surfs. On va le mettre en premier.
Alors, est-ce qu'il y a des objets ici? On dirait pas. Super repousse. Ah ben là, mon pauvre Gale King. Non, là, vraiment, Jay commence à être balèze. S'il ne chope pas une attaque électrique, il peut faire très très mal. Voilà. Il one shot un petit Celebi au calme. Putain, mais je suis con! C'était une nouvelle zone! Oh là là! On était tombé sur qui? Oh putain, on a loupé la zone. On a loupé la zone! Putain! Y a pas d'objet? Bizarre ça. Miaouss. On va faire corps perdu plus onde boréale. En vrai, corps perdu c'est pas mal parce que comme ça, c'est comme je l'avais dit auparavant, ça évite tout ce qui va être. Tout ce qui va être riposte, voile miroir, tout ça. Ah, la Kazam. Ça donne des petits points d'expérience. Hein. Ah, nul qui a ramassé un objet. Super potion. Bon, toujours bon à prendre. Et on trouve une hyper potion. Oh putain, Latios. Donc là on peut sport et tranquillement on va le défoncer à coup de Draco Souffle. Ah oh, ça c'est trop beau. Trop trop beau. Alors je descends juste. Parce que là ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un objet. Wow! C'est rempli de Goélise. Je pensais qu'ils auraient pu soigner mes Poké, mais pas du tout. Ça me batte les couilles. Est-ce que c'est une nouvelle zone? Non, c'est pas une nouvelle zone. On va voir quand même au cas où, mais je pense pas. Ouais, non. Dommage. Zinc. Donc qui augmente la défense spéciale, je crois. Latios. Putain, ça va le mec. Heureusement que les Latios sont censés être uniques. Non mais merguez trop fort. Vraiment. Allez, on est sous la pluie. Oh, on passe d'un niveau 48 à un niveau 33. Et ce qui est fort avec merguez, c'est qu'il a quand même une immunité combat, une immunité normale, une immunité sol et des résistances assez cool. Si j'arrivais à trouver, je sais même pas s'il y en a une ceinture force dans ce jeu, mais si je trouvais une ceinture force, je serais royal. Il y a des petites baies là. Des baies quoi. Oh, baies citrus. Ça, c'est chouette. Ok. Bonjour. Ouais. D'accord. Alors, tu vas te prendre une petite spore, hein. Alors là, le problème, c'est que plonger avec le soleil, ça fait pas très mal.
Il a la trouille, il s'est réveillé. Alors oui, Ectoplasma avait l'objet. Enfin, du coup, c'était qui? C'était Spoink. Ah, mais il est modeste! Ah ouais, d'accord, c'est pour ça qu'il met des buffs énormes. Donc ouais, donc il a l'objet Roche Royale, qui permet en fait d'apeurer les Pokémon. Pas tout le temps, hein, mais... On va faire plonger. Oh non! La morue. J'ai voulu jouer au con, et voilà. Et on va... Ah non, putain, on est sous le soleil, heureusement. Alors Hydro Blast, normalement, il perd un tour, hein. Je veux pas perdre mon merguez. Ça me ferait bien chier, ça. Merguez qui est quand même le MVP du jeu, là. Pokémon Ranger Michael qui envoie Scorplane. Oh, c'est rare qu'on envoie des Scorplane. Alors là, par contre, on peut totalement faire plonger. Plonger sous la pluie. Spécial Ectoplasma modeste. Comment dire? Ça rigole zéro. Ah, petit combat double. C'est vrai que des combats doubles, il y en a vraiment énormément. Bon, nul 2, c'est un peu pourri ce que tu ramasses quand même. Vraiment. Je sais pas, fais un effort quand même. Alors, Boostiflore et Registeel. On va Spore le Registeel et on va Laser Glace le Boostiflore. Comme ça, on devrait prendre le kill sans se prendre de dégâts. Et derrière, on fait Tonnerre. Plus surf. Ouh, il a tenu. Bon, c'est bien, on a des hyper potions. Ça, c'est chouette. Alors, est-ce qu'il y a des petits objets là? Oh, un sécateur. Oh là, mais merguez. Merguez, en fait, les Pokémon qui peuvent le battre, c'est de l'euphorie. Des écrémeux. Tous les Pokémon avec une grosse. Oh, il est dégueulasse comme ça. Avec une grosse défense spéciale. Voilà, merguez. Super Ball. Ramasse des super bonbons, au moins fait quelque chose. Petit combat double. Parce que oui, il n'est pas très bien caché, le petit ninja là. Allez, ça envoie qui? Allez, alors là, le combo tonnerre. Plus laser glace. Et on va refaire tonnerre laser glace. On aurait même pu faire cruel. Merguez qui monte au niveau 53. Ah, la team a quoi? Bonjour. Ah, stylé. Est-ce que j'aime. Oui, merci. Est-ce que j'aime Pokémon dans le PC? Ah oui, j'ai Placados! Oh là là. Allez, putain, dégage. Ou en vrai, est-ce qu'on n'enlève pas nul et on garde Tedursa juste pour le ramassage?
Allez, on va rester comme ça. Je vais aller chercher les petits sprites. 1, 2, 2. Sprite Poké. Alors, on a le Flagados qui est ici. Et on a le T-Dursa qui est là. Alors, T-Dursa s'appelle T-Dursa. Hop. Et du coup, Flagados, Slow Bro. Voilà, notre nouvelle team. Bonjour la team Aqua. Branette. Alors Branette, on ne le touche pas forcément. Bon, si tu pouvais éviter de miss H24 ton... Alors ce qui est bien, c'est que Aeropix, ça échoue jamais. Allez, on va profiter qu'on ait le lit. Kadabra. Kadabra Shiny, qui ne change pas forcément. Oh, Suicune. Oh là là, le coup critique. Magnifique. Qu'est-ce qu'il a, Moulaga, comme... Il a Vampigraine, ça peut être intéressant. Dans ce slam qui sert pratiquement à rien. Donc pour le moment, on a réussi à garder notre starter. Cochignon et l'exprint. Ça, c'est parfait. Oh, bulle d'eau. Dommage, ça aurait été sur... Bon, non, on a surf. On a surf, ça aurait servi à rien. Allez, tout ce petit monde est au niveau 53 à part Voda. Ouh, roulade. Granivol, on le one shot. Et Alligator, on va pas faire le fou. On va faire Trancherb. Hop. Alors en troisième génération, il me semble que le climat ne s'enlève pas. Oh, tu fais un peu trop la kéké, toi, il me semble. Admin Aqua Sarah. Oh, à la Kazan, quand même. À la Kazan par ici, qui fait vraiment très peur. Voilà. Voilà. Du coup, par contre, Nidorino, on n'est pas forcément super bien. Mais lui, pareil, il a pas l'air d'avoir grand-chose, donc... Bon, Morpheo, on s'en fout. Hein. S'en fout de Morpheo, c'est de la merde. C'est nul.
Même pas, tu me donnes un objet, toi? Élixir. Oh putain, la flora. Oh là là. Heureusement qu'on était full life parce que. Alors, elle a ses Pokémon niveau combien? Sac de nœuds. Bon, déjà, ça fait pas trop peur. C'est niveau 48 en plus. Ça va. Ça va, ça va. Détection. Très bien. Allez, elle fait sa deuxième détection qui échoue. Donc, ça va être un 2 Wash KO. Oh putain. On peut faire pouvoir antique. Pour essayer de se setup. Non, on n'a pas réussi. Ammonita. Ammonita. Qui prend x4 type plante. Type eau, roche. Et du coup, Noceralto. Poison vol. On a une attaque électrique et on est immunisé au poison. J'aurais pu faire sport d'ailleurs. Parce que je pense pas le tuer si. Ah, coup critique, si, ouais. Bon, allez, Flora. Hein. Ah, CS vol. Tu peux retourner t'entraîner hein, si tu veux. Oh, lui, il m'énerve. Dégage. Ah, il y a un petit combat duo là. Moi, je préfère les combats duo aux combats solo. Hein. Je pense que vous l'aurez remarqué. Allez, un guitariste et un ninja. Krabby et Nidoking. Et nous, on a Voda et Robinou. En vrai, on a 10 niveaux de. What the fuck? Ils étaient niveau 48 ceux d'avant et là niveau 43. Coup critique sur le Krabby. Je pense que le Hand Boreal devrait tuer. Non! Ah ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il est bien caché? J'ai failli me faire avoir. Alors, Grayena, on va faire. Oula. Grayena Lumiqueux. Girafarig. On va rester, on va taper des façades. J'ai pas l'impression que Façade soit une si forte attaque que ça sur, sur Noirfang. Ah, il est plus spécial. Je pensais que Noirfang était beaucoup plus basé sur l'attaque. Ah, il est plus spécial. Alors je sais c'est physique, mais déjà ce sera une attaque stabée justement. Qu'est-ce qu'il pourrait apprendre? Je crois qu'il peut rien apprendre de spécial en fait. Non, il peut rien apprendre. Bégrenat. Ah, et on arrive du coup à Symmetronel. Bon, est-ce qu'on a des hyper potions? Alléluia! Et on a du coup des hyper balls. Donc ce qu'on va faire, on va acheter 10 hyper potions et le reste en hyper ball. Comme ça, si on tombe contre un légendaire, on aura déjà un tout petit peu plus de chances de le capturer. Musiole. Pouzipi. C'est quoi cette merde?
Oh, puissance cachée. Noir fang type poison. Ouais, c'est un peu nul. Hein. Oh, attendez, 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 attendez. Florizarre puissance électrique. Ah. Est-ce que ça sert à grand chose, puissance électrique? Contre les types vol. Ouais. Puissance électrique. Non, je pense pas. Après. Alors là, le plus intéressant, ça va être Ectoplasma. Becky Pump, PC Feu. En vrai, Becky Pump, PC Feu. Contre les Pokémon de type plante. Plante, acier, ouais, acier, on s'en fout, on le passe plutôt bien. Bon, allez, on va rester comme ça. Blabla dodo. Alors, autant puissance cachée, c'est cool, autant blabla dodo, franchement. Ouais. Ah, et on peut pas passer ici aussi. Piqué. Bon, piqué, c'est de la merde. Piqué, c'est une attaque qui se joue en 2 tours. Donc c'est vraiment de la bite. Oh, là c'est pour les bases secrètes. Alors, je suis pas allé là. Ah, on revient au début. Ok. Ok, très bien. Alors. Route 120. quand même à baiser. Ludicolo niveau 46. Voilà, petite cruelle stabée. Oh, il a réussi à mettre sa pluie pour être plus rapide que moi. Bon, il est où mon CS Slayer? Oh là là, nul 2. Nul 2, il est parfait. Il est parfait, nul 2. Allez, un autre super bonbon. Je commence à en avoir des super bonbons. Là, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Là, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Là, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. Et là, est-ce qu'il y a quelque chose? Draco et Elexprint. Donc là, on va faire Laser Glace et on va faire Vol. Alors, je sais, c'est pas très efficace, mais c'est juste en fait pour esquiver une attaque. Putain, ça l'a pas tué. Non! Putain, il faut pas que ça tue, Surf. Il faut pas que ça tue. Il ne faut pas que ça tue. Please! Please! Non! Ouh. Alors, on a vu ce qu'il fallait pas voir, donc on va toxique toute l'année. Et on va switcher.
Un prélèvement du destin, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, si on envoie notre. Enfin, si on tue le Pokémon lors du tour où l'attaque a été placée, donc où le prélèvement du destin a été lancé, et bien tout simplement le Pokémon qui aura tué l'adversaire et bien, meurt d'un coup. Donc voilà. Donc on va faire toxique et on. En fait, on va faire que des toxiques. Juste pour éviter de. De se prendre. Voilà. Il va mourir tout seul du. Alors, on va éviter aussi Karma Racket. Voilà. Non, je voulais pas. Dégage. Ça a été limite, limite. Allez, un petit surf. Encore lui? Ah, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir aller combattre la reine. C'est un petit Kecléon. Eh, mais je suis con, j'ai encore loupé ma zone de capture. En fait, je suis tellement bien avec mon équipe que je veux même plus capturer de Poké en fait. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller directement à l'arène en fait. Chose importante. On va attacher des Bécitrus à nos petits pokés. Où est-ce qu'elle est, la reine? Elle est là. Allez! En avant pour le sixième badge. Misterbe. Waouh! Trop dur. Ouh, 6 Pokémon. Locklass et Caduazo. C'est une monoglace. Ah, nous, par contre, on n'a pas des Pokémon adéquats là. Alors, ce qu'on va faire, on va focus le Caduazo. Oh putain, ça tue. Eh bien, on va refocus. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et en plus, il se tue. Là, maintenant, on est tranquille. Du 2 contre 1. Xatu qui était plus rapide. Ah oui, Grimace. Ils avaient fait Grimace. Nouveau petit combat double. Nidorino et Regirock. Donc là, on va focus le Regirock. Je suis pas sûr qu'on tue avec les deux attaques. Si, avec Surf en devant. Oh. En temps normal, on aurait dû tuer. Ouais. Ou le coup critique. Ectoplasma et tout doudou. Bon, tout doudou, ça va pas être le Pokémon le plus dur à niquer. Frustration. Putain, on l'a même pas tué. On y va vraiment en mode YOLO. Hein.
n'a peur de rien du tout. Je crois que c'est le dernier avant le boss. Avant le big boss. Il me semble. Donc ce qu'on va faire, on va aller les soigner. En espérant qu'ils soient pas trop haut level, ça serait quand même assez cool. Comment on passe là? Voilà. En vrai, on va mettre Merguez en premier. On va pouvoir faire sport. Je suis Alizée, champion d'arène de Symmetronel. Je me suis uni avec les Pokémon oiseaux et envolé dans les airs. Même si le combat a été exténuant, on l'a emporté avec grâce. Admire l'élégante chorégraphie que mes Pokémon oiseaux et moi avons préparée. Let's do this! Allez, Alizée veut se battre 5 Pokémon et le premier. Oh putain, d'accord. Donc directement, ça envoie Ronflex. Donc directement, on ne peut rien faire. Donc on a corps perdu. Là en vrai, il va juste falloir faire toxique. Donc on va mettre Florizarre. Là, il faut juste toxique en fait. Voilà, en plus, il fait qu'il se réveille tour 1. Wouah! Qu'est-ce que ça va être que ce poké? Donc voit le miroir, donc ça veut dire qu'on peut faire que des attaques physiques. Allez, et deux. Il n'était pas en range qu'elle puisse le soigner en fait. Flobio. Donc là ce qui est bien c'est que Flobio, on fait tranche herbe. Ça one shot, aucun problème. Faiblesse x4, c'est stabé, c'est super efficace. Kadabra. Kadabra, alors le problème c'est s'il a une attaque électrique, Bekipa ne tiendra pas. Donc on est obligé de, un petit peu de mettre Voda. Oh putain, j'avais oublié ça. On va voir qu'est-ce qu'il a. Il a sport. Alors on peut faire pouvoir antique. Pour essayer de setup. D'accord, donc il a que des attaques de merde. Et on va le tuer du coup avec vol. Je pense qu'on est plutôt bien. Papinox. Alors Papinox, on peut totalement rester. Et faire notre plus beau vol. Oh! Bon, ça tuera pas, mais ça va faire très très mal s'il touche. Aéroblast et les canons, c'est quoi ce Papinox? Il y a là une deuxième Ronflex. Alors est-ce que celui-ci a aussi toxique? Ce qu'ils peuvent avoir. Oh putain, le bluff stabé. Et il a vaccin aussi. Ok, ça fait chier. En vrai, surf, ça va faire de bons dégâts. Ouais, pas assez quand même. Aïe. On va pas faire le foufou. Hyper potion. Bon, c'est un Ronflex nul. Par contre, si tu pouvais arrêter de le soigner H24, ce serait cool. Bon, c'était quand même assez simple. Ça aurait été encore plus simple si les Ronflex n'avaient pas vaccin. Mais du coup, ça a été la petite difficulté, on va dire. C'était 40, je sais pas ce que c'est ça. Aéropic. Bon, aéropic, en vrai, on s'en fout un peu. C'est moi ou elle vient tout juste de me rappeler en fait? Ah non, c'était pas elle.
Allez, du coup, sixième badge obtenu. Alors, on était du même niveau, je crois, que son Pokémon le plus fort. Alors, je fais ça juste pour éviter un peu les pokés. Galifeu. Bon, mais là, boum. Posipi. Ah merde, il faut que j'aille les faire soigner là. Ah mais non, c'est parce que. Eh non, c'est rancune. Ah oh, putain, c'est chiant ça. Avaltou et Draco. Et nous on envoie Merguez et Voda. Donc on va simplement Spore et Onde Boréale. Même si Onde Boréale ne tuera pas. Éruption. Et voilà, le pauvre est en train de dormir. Alors, Voda est au niveau 55, donc on peut switcher. On va enfin pouvoir peut-être finir cette version. Onyx et Malos. Alors là, un beau gros surf. Pour la blague, on va faire sport. Et là, le surf va tuer les deux. En vrai, est-ce que je reste avec Magneton? On peut le sport, hein. C'est vrai que j'oublie complètement ça, mais on peut totalement le sport en fait. Alors. Ouch. Oh là là, comment je l'ai eu? Oh, tout ça pour ça. Bonjour. Top dresseur Jennifer qui envoie une électrode. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que nous. Oh putain. C'est que nous on a merguez. Et que merguez, il est beaucoup trop fort. Par contre, la danse Draco, ça me fait un peu peur. Hein. Ah oui, moi je suis très intelligent. Quoique ça va, il y a la pluie. En vrai, il y avait la pluie. Alors, est-ce que c'est une nouvelle zone? Oh. Je crois que c'est une nouvelle zone. Hein. Oh, mais on l'a déjà, donc on peut pas. Drabi. Moi, je fais la technique de bâtard. Hein. Sport. Dragon souffle. Oh, mais ça c'est abusé aussi qu'on puisse endormir les Pokémon plantes. C'est tellement abusé. Bon, on va pas faire le fou. Déjà on va le soigner lui au lieu de faire le con là. J'ai toujours pas vendu mes morceaux d'étoiles et tout le bordel là. Si on pouvait. Ah, mais non, mais c'est vrai que le type spectre est de type physique dans ce jeu. C'est nul ça, putain. Allez. Wow, le tonnerre.
What? Ça one shot? On va le toxique, lui, il est un peu chiant. Hop. Tengalis. En vrai, tant qu'on sait pas ce qu'ils ont, vaut mieux faire toxique. Ouais, voilà. Ok. En vrai, le type glace, on n'est pas bien là-dessus. Hein. Pépite. Par contre, il va falloir que je les soigne bientôt là. Parce qu'entre un qui est brûlé, qui a pas toutes ses attaques, l'autre qui doit être paralysé, je sais pas quoi. On va y aller de suite d'ailleurs. On va profiter de notre capacité à accélérer. Ouais, un dernier petit KO. Franchement, heureusement qu'on peut accélérer. Global, tout ça pour ça quoi. Oh! Oh! Il y a un low class? Je savais pas ça. Mais en vrai, niveau 30, on s'en fout. Et on trouve la CT Zénith qui est complètement inutile, sachant que je crois que Florizarre n'a même pas. Voilà, il a même pas chlorophylle. Corps de sortie. Y a des CT comme ça et qui servent pas à grand chose. Bon, ça pourrait servir à améliorer les attaques feu, hein, je dis pas, mais. Sachant qu'on en a même pas. Boum! 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 Ah, vous voulez pop? Y a pas de problème. Florizarre, il faudrait autre chose qu'Aéropic. Oui, c'est la continuité. Ça serait bien qu'il ait autre chose. Mélodelphe, je crois que c'est le premier qu'on voit. Alors, Mélodelphe, il est un peu casse-couille, on va le toxique. Ouragan. Oh putain, joli bisou là, je sais pas quoi. Oniglali, type glace ténèbres. Classe ténèbres. Ah, et on a enlevé. Ah, putain. Oh là là, la petite baie qui a fait son effet magnifique. Oh ben ça va, mais on vient d'en utiliser une en plus, c'est parfait. Bwiki. Bpcha. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Bframby. Bnanab. Je crois que c'est des B qui servent à rien du tout. Oh putain, il m'a eu. Ninja Fan Keneda. Les deux sont sensibles à séisme. Ouh, par contre, lui, il a tanké. Grâce à son intimidation. Bonjour.
Oh là là, il a réussi à nous paralyser, le mec. Il a trois Pokémon de merde, le pauvre. On va mettre Vaudin en premier parce que c'est le plus dur à monter en fait. Comme il est pas tip top caviar. Hein. Il était plus fort en début. Ah, maintenant j'avoue qu'il est un petit peu nul. Oh là là, il arrive à tuer des Nidorino niveau 16. Petit combat double, comme je les aime. Et on arrive dans une nouvelle zone, donc, ce qui veut dire nouvelle capture. Est-ce qu'on va trouver mieux que Flagados? Luciole et Hypnomade. 48. On va pouvoir antique et on va toxique l'Hypnomade parce qu'on peut pas le tuer en un coup lui. Michel, il prend x4 sur pouvoir antique. Ça le tue même pas. Et il fait balance, ce qui est un petit peu casse-couille. Balance qui partage les dégâts. Alors, ce qu'on va faire, on va faire vol. Cruel sur le Hypnomade. Allez, on va focus. Ah, alors, Elector, comment dire? Non. Là, on double switch. Mégaphone. D'accord. On remet le sport, le petit. Et on va aéropique le monsieur là. Il a tenu le bâtard. Tue-moi ce Muciole, merci. On va tonnerre et on va toxique. Ouh, laser glace. Allez, GG à toi. Ça, on peut le jeter. En vrai, le zinc, on peut l'utiliser. Hein. Ça sert à quoi le zinc? La def spé. Ok. PV plus. Ok. Donc ils ont tous augmenté leur truc, d'accord. Protéine, c'est pour l'attaque. En fait, y a que J qui peut. Ah, ça y est, il peut plus. Allez. B marron, ça peut être intéressant. B fraise, je sais pas à quoi ça sert. Ah, nouvelle zone. Nouvelle zone de capture. Ah, mais il a été rapide. Alors Vibranymphe, il est stylé, le problème c'est que il va évoluer alors, déjà très tardivement. Et de deux, on va l'appeler dommage. Parce qu'il va rester en fait dans le PC. À moins que je perde un Pokémon.
Auquel cas, je ferai appel à ses services. Voltali. Ouh. Non mais Florizarre est tellement OP quoi. Please. Ok, on va aller au Mont Memoria. D'accord, donc eux ils sont là. On va juste faire un petit peu le tour. Alors là, il y a le parc safari. Je sais pas si on peut capturer un seul Pokémon. Ou si on peut en capturer au taquet. Putain, Poissorogne en 53. On va le switch parce que j'ai un peu peur. Non, il fait Larcin. Ok. Ok. On a 4 super bonbons aussi. Hein. Ouf. Deux éleveurs Norbert. Ah mais c'est un mec ça. Putain j'ai tout. Wow, j'ai toujours cru que c'était une meuf. Oh j'ai toujours cru que c'était une meuf. Ouais bon bah focus le Ludicolo. Danger, danger, danger. Ah, c'est pour ça, dès qu'il va se prendre une attaque électrique, il va prendre tellement cher. Voilà, et là on peut tranquillement le tuer. On est plus rapide, on risque rien du tout. Le Trancherbe et le vol pour être sûr. Putain, c'était limite encore. Hein. C'était limite. Bon, j'ai envie d'aller voir le parc safari. Si on peut capturer au taquet de Poké ou pas. Bonjour. Oh là là, il faut une boîte Pokéblock. Eh bien, va te faire foutre! Munja. Alors Munja, ce qui est bien, c'est qu'on a Cruel ou Toxique pour le toucher. Donc, comme ce Pokémon a un seul PV, il suffit d'avoir une attaque super efficace pour le tuer. Boum. Zigzaton. Alors là, typiquement le cas. Il y a un objet, faut le trouver. Pépite. C'est un peu pourri. Oh là là, on a réussi à le geler, c'est magnifique. Allez, Voda. Ah, c'est pareil, je suis sûr qu'il y a un objet. Oh, petit et dur ça. Fais dodo. Non.
Tu vas souffler. Oh putain, il a poursuite. Oh, ce qui fait que je peux pas switcher, sinon l'attaque elle devient plus forte. Alors, peut-être qu'il y a un objet. Ouais, rappel max. Mais je peux pas rappeler. Je peux pas. Arrêtez de me donner des objets comme ça. Et on arrive du coup à Nénucric. Oh là, la gueule du Pikachu, quoi. C'est une Poképoupée, non? Le muscle. Pika. Bon, c'est bon, j'ai compris. Et non, j'ai pas de Poké-Bloc, connasse. Ah, est-ce qu'il y a des choses à faire ici? Fin de club des dresseurs. Waouh, magnifique. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Hein. Il y a un hôtel là. Ah, il y a l'autre là. C'était 17, abri. Un vrai abri toxique. Technique un petit peu de bâtard. Hein. En vrai. Tu fais un Noirfang toxique abri vol. Putain, ça serait pas stylé ça. Ça, je suis pas très. Je me dis que c'est un peu de la merde quand même. Que c'est un poquito de la merde. Oh, il y a Flora. Coucou toi. Allez, viens te battre. Vas-y. Putain, c'est là qu'elle est au niveau 60. Viens te battre. Petite Flora. Miaouss. Oh putain, niveau 51. Allez, fais dodo. Fais dodo, Miaouss. Voilà, très bien. Ludicolo. Ludicolo. Cruel. Allez, ciao. Chetiflore, on peut rester et taper la cruelle. Et le Vénard. Alors là, par contre, le Vénard, on va le toxique direct. Oh putain, il a éclair ce bâtard. Mais arrêtez de louper vos toxiques! Putain, mais ça a combien de précision toxique pour que ça loupe autant? Putain, ça a 85 quand même. Donc ce petit salaud, il a extra senseur et éclair. Heureusement qu'il a une défense de cacamou. Allez, ouais, ciao. Alors ce qu'on va faire, on va aller vendre un petit peu tous nos trucs là. Ah, il y a du max repousse, enfin. On va pas trop en acheter. On va plutôt se mettre sur les hyper potions et les hyperboles. Voilà, ça fait 20. Impec. Alors, qu'est-ce qu'on peut te vendre, toi? Tac, tac, tac. Rappel max.
Total soignant, pierre foudre en sans tape, morceau d'étoile, fer, 3 pépites, ça c'est cool. Voilà, là on est bien. Et du coup on a. Oh, on en a gagné pas mal. Alors je vais juste voir s'il y a un truc avec des CT. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Merde. Quoi? Cassez-vous avec vos trucs de merde là. Oh là là, là c'est pour les. Non, je crois qu'il n'y a pas de CT. Clonage. Oh, oh, trop cool. Clonage vampigraine toxique. Non, c'est abusé. En vrai. Putain, clonage, c'est trop cool. Alors est-ce que ça fait comme dans les anciennes trucs et qui te donne une CT pour chaque truc? Non. Quel bâtard. Non, je veux vendre. Je veux vendre ce que je viens d'acheter. Oh là là. La meuf elle rachète ce que l'entreprise vend quand même. C'est fort ça. En vrai Noirfang. Façade, je suis pas fan, je suis vraiment pas fan de façade. Je pense qu'on va lui mettre toxique lui aussi. Non mais toxique c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort. Oh là là, le Florizarre de l'enfer. Allez, mais je pense qu'on va pas trop tarder à s'arrêter. Je pense que je vais aller me mettre au niveau de là où il y a les la team Aqua. Alors normalement c'est une nouvelle zone ça, non? Nouvelle zone, donc nouvelle zone de capture. Attention. Attention, attention, attention. Oh. Allez, je te garde si tu tiens Draco Souffle. Oh. Alors là, on va l'appeler. Donc comme c'est un Pokémon de type féminin, Warrior. Warrioret. Voilà. En vrai, on sait jamais. On peut être un rad de Pokémon. Hein. C'est quoi ça? Oh! Alors ce qui fait chier c'est qu'il y a que 5 il y a que 5 pp, c'est un peu casse-couille ça. Et Trancherbe peu crit. Mais en vrai avec le clonage et tout, moi ce Florizarre de l'enfer. Bonjour, je suis un Florizarre cancer. Oula.
Allez, go tonnerre, plus surf. Merci, au revoir. Un objet là? Ah oui, PP plus. Super bonbon encore. Amonita, allez, ciao. Alors après, je crois que ça rejoint une autre route, donc on va pas s'y engager. On va pas s'y engager, on va. Est-ce que je fais. Allez, on va faire le mot Memoria et on s'arrêtera juste après. Tonnerre et surf. Il a fait explosion le bâtard! T'as comme il a tanké comme un chef? Comme un chef. Oh le bâtard. Des petits objets là sur les pierres. Hein. Donc ouais, donc on va pas. On... Tout ça. Ah, après on a vol en vrai. Mais bon. On va faire le mont Memoria. Ça va bientôt faire 2 heures d'enregistrement. Ah putain, ça aurait totalement pu être un Scarino quoi. Et niveau 53 en plus. Donc là pareil, nouvelle zone. Attention! Allez, même truc que Nidorina. Mais voilà, toi tu tiens pas. Une purif. Alors ça, je pense pas que ce soit considéré comme une nouvelle zone. Ah si. Et oh, tu es pénible. Il est en train de me sucrer toutes mes hyperboles, le mec. Merci. Et Oko. Alors c'est un truc qui ressemble à rien du tout. Voilà, ça veut rien dire comme son design. Échange. En fait, je suis sur la bonne voie là, non? Voilà, mais ça se voit trop en fait quand il y a des objets. C'est à qui de combattre? Ouais, toujours, hein. Zinc. Allez, comme ça au moins on s'arrêtera après avoir battu, parce que là je pense qu'il n'y a pas de souci pour battre la team à quoi. Quillfish. Ah, niveau 53 quand même. Ah, quand même, quand même. Mais bon, ce qu'il savait pas, c'est qu'on avait Merguez. Et forcément, quand tu sais pas que le dresseur a Merguez, on peut passer par là. Mais à quoi ça sert s'il n'y a rien? À quoi ça sert qu'on puisse passer?
Ipurwa. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on a Braque au souffle. Calme-toi, mec. Alors, combat double. Oh là là, on va tester le. Enfin non, en combat double, on n'est pas forcément obligé de le tester. Karatrok et Ipurwa encore une fois. On va se cloner, allez. Allez, j'ai trop envie. Voilà, Florizarre invincible. Génial, génialissime. On va faire plonger sur le Karatroc et on va totalement Giga Drain le Tarpo. Oh là là. En plus, ils ont focus. Ils ont focus Ectoplasma. On va refaire plonger. Oh putain. Voilà, il va nous tuer le clone. Hop! On va faire toxique juste pour le fun. Voilà. Alors, je crois qu'on est au boss. On va un petit peu soigner tout le monde. Sans maintenant, on est plus ou moins riche, donc on s'en fout un peu. Hop. Et on a fini la playlist. Donc, est-ce qu'on se mettrait pas une petite musique épique? Non, allez, on laisse. Max de la Team Magma était plus rapide que nous, mais nous deux, nous avons aussi ce que nous voulions, l'orbe rouge du Mont Memoria, il est enfin en notre possession. Nous pouvons maintenant accomplir notre ultime objectif. Ok, à tous les membres, repli immédiat. Oh non, on se combat pas. Oh. Je suis deg. Merci. Non! Ta gueule! Donc voilà. Alors, on va juste finir d'explorer le Mont Memoria. Que du coup, j'ai vu qu'il y avait une petite... un endroit qu'on n'avait pas exploré. Voilà. Ah, mais on peut quand même monter. Ah, mais d'accord, il y a quand même des combats. Waouh! Dracolos Registeel. Ok, bonjour. Là là, on va se cloner. On va se cloner, on va faire vol. C'est génialissime. Oh, il a loupé son attaque! Il a quand même 205 PV, Norfang. Magby et Rhinophéros. On va Ant Boréal et Séisme. Rhinophéros aussi, je crois que c'est la première fois qu'on le voit. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh la pauvre, elle pleure parce que son Skitty est mort. Allez, Raichu, Vasilis. On va faire vol parce qu'on est quand même pas trop bien face au Raichu. On va cloner.
Tombe roche. On va faire pouvoir antique et on va totalement séisme. Du coup, on peut faire vol et giga drain. Voilà, cette équipe de feu. Boum. Oh, il a tenu. Super repousse. Bon allez, quand est-ce qu'on termine là? Le monoflemi. Alors on va faire un petit... Oh le bâtard il fait pareil. Sauf que moi, je peux me soigner. Nananananer. Hop. Surf. T'as 2000 points d'expérience il donne. Pouh. Magikarp. Putain, mais c'est quoi ce truc super haut là? Oh, au moins ça nous XP les Poké. Oh, Dracolos Shiny. Oh! Ouais, mais. Pff. Cauchemar, c'est de la merde. Ah, c'est dommage parce que. C'est dommage parce que dans cette version, Balombre, c'est type. Enfin, c'est une attaque physique. Et on a que 87 en attaque physique, donc c'est vraiment dommage en fait. Vraiment dommage. En sens doux. Ouais d'accord, c'est que pour des encens en plus. Vachement fun. Allez, mais comme ça au moins on aura fini le Mont Memoria. Hop. Ah merde, il a pas vol. Ah mais faut lui apprendre vol. Ah mais si, c'est... Ouais mais faut lui apprendre vol aussi. Débile. Hop là. Voilà, et du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Notre team est quand même assez swag. Bon, si ce n'est Moulaga et nul numéro 2. Mais sinon on a quand même vraiment une très 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 grosse team. On peut même le mettre en prime ça. On a le Florizarre cancer de la vie. Et voilà. Allez, mais sur ce, j'espère que vous aurez aimé la petite vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo. Et mais je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel upload de la série donc Pokémon Emerald. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.